Ils ont réussi à vaincre les hordes de démons et ont réussi à sauver Dominique. Le groupe a commencé à se reposer près d'un lac avant de commencer leur long voyage pour rentrer chez eux. Cependant, au même moment, ça y est, encore une catastrophe qui va nous tomber dessus évidemment. Dominique sentit qu'une étrange lueur était émise par la lune. Alors voilà la situation. Ça fait beaucoup à... en une seule fois. Vous étiez en train de nous dire que l'armée de la lune est en train de nous envahir. Malheureusement, c'est la vérité. Les démons en ont pris le contrôle et maintenant vont s'en servir pour envahir le monde. Alors quel que soit l'ennemi, je les vaincrai. Tu n'as pas la moindre chance, l'armée de la lune est beaucoup trop grande. Pour avoir la moindre chance de gagner, nous allons devoir voyager jusqu'à la lune et vaincre leur chef. Voyager jusqu'à la lune, mais quelle folie. En même temps, pour le coup, pour une fois, on peut pas lui en vouloir. Oh, quelle triste vue pour ses vieux yeux. Ah bah les revoilà. Ah bah voilà, to be continued in a final episode. Et oui, salut à toutes et à tous, et on se retrouve donc aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Bloodstained Curse of the Moon 2. Et pour ce 8e épisode, vous aurez pu déjà commencer par profiter de la véritable fin, enfin, de la véritable fin de l'épisode 2, voilà, vu que, voilà, vous avez compris, l'épisode 2 était coupé en deux fins. Et, bah apparemment, l'épisode 2, on va carrément aller nous balader sur la lune, alors, enfin, l'épisode final, je veux dire. Je ne m'attendais pas à ça, voilà, curieusement, c'est vrai. Mais bon, pourquoi pas, après tout, le jeu s'appelle Curse of the Moon, donc la malédiction de la lune. Donc pourquoi pas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a réussi bel et bien à terminer l'épisode de deux fois, d'ailleurs 1h45, j'ai terminé le boss du premier try, le final boss, finalement je pensais que j'allais galérer, finalement je l'ai eu du premier coup. Je crois que les 40 minutes qu'on a passé à galérer la dernière fois m'auront bien appris comment vaincre ce boss. Finalement il était ultra simple en fait, une fois que vous savez comment il marche et que vous arrêtez de jouer comme une grosse pintade, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Du coup aujourd'hui je vous propose de partir sur le Data 4, et de nous lancer donc dans l'épisode EX, Oath of Reunion. Le final épisode, c'est Cleave the Moon. Mais bon, ce que je vous propose, c'est voilà, de nous attaquer à celui-ci. Donc ouais, voilà, c'est malgré que ses camarades soient blessés, Zangetsu est de retour. Donc toujours un vétéran, hein. Toujours un player, oui. Et donc du coup, eh bien, nous allons redécouvrir ensemble le jeu. Alors, dans ces... Ah oui, non mais là, on revoit là... La fin qu'on a déjà vu, ouais voilà, donc Robert et Hachi ont été gravement blessés par l'attaque du démon. Donc Zangetsu est à présent seul. Cependant, il n'y a pas une seule lueur d'hésitation que l'on peut voir dans ses yeux. On va peut-être se retrouver avec que Zangetsu donc pour ce... Ah, attendez, c'est carrément un autre niveau, non? Ah non, d'accord, ok. Il y a nos potes qui viennent. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air particulièrement troublé, c'est rare de ta part. On comprend que t'as des... Ouais, on s'imagine bien que tu as des problèmes. On t'avait pourtant dit de nous appeler si t'en avais besoin. C'est bien de c'est bon de te revoir, Zangetsu. On aimerait beaucoup t'aider dans ton voyage. Alors on t'a apporté ceci. Retournons combattre ces démons une fois de plus. Ah, d'accord, ok. Oui, parce que pour avoir la fausse fin, et donc... Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Donc, pour avoir la fausse fin, et donc, justement, bah, débloquer cet épisode EX, là, bah, justement, il faut ne pas avoir trouvé l'épée, voilà, l'épée Zenmatu, là. Et du coup, bah, on la récupère ici, c'est ça? Ah, d'accord. Donc, voilà, on a toujours les attaques de merde. Par contre, on se retrouve avec nos potes, voilà, nos potes du premier, donc le vampire qui balance ses petites chauves-souris. Voilà, donc ils nous refont un petit tutoriel, donc voilà, Myriam qui peut glisser comme ça, qui saute beaucoup plus haut, un peu comme Dominique, qui attaque avec un fouet, ça c'est cool.
qu'ensuite le papy, voilà, qui peut donner des petits coups de bâton inutiles, et surtout qui peut balancer des sorts magiques, voilà. Ouais, si t'attaques au corps à corps, elles sont toujours aussi nazes. Et finalement, voilà, Summon Darkness, donc on peut invoquer des trucs, ouais, voilà, puis on peut se transformer en... voilà, puis on peut se transformer, on peut monter rapidement... C'est ça, donc on peut se transformer en chauve-souris avec lui. Bon bah les amis, voilà, on est parti, on va donc redécouvrir le jeu, moi ça, pour moi ça va être la quatrième fois, mais pour vous ça ne sera que la deuxième, voilà, la deuxième fois qu'on va s'attaquer donc à ce Bloodstained Curse of the Moon 2. Alors je pense que je peux pas descendre ici, hein. Là en bas on peut descendre avec le chien en mettant un gros coup de cul, mais vu qu'il est pas là, va falloir que je me réhabitue au gameplay de ces trois persos. Mais comme ça, bah, je pense aussi qu'on aura d'autres chemins du coup, vu qu'on a ces persos avec nous. Donc ça peut être pas mal, voilà, vu que vous avez été... Oula, bien joué, il faut que je m'habitue à ces grosses ou à elles. Parce qu'elles sautent vraiment super haut, oula, bien joué. Je vous remercie évidemment pour vos commentaires, vous avez été nombreux à me dire que, en tout cas toutes les personnes qui m'ont répondu, vous vouliez me voir continuer à découvrir ce jeu avec vous, et bien du coup, on est reparti, voilà, en tout cas pour une deuxième run. Éventuellement une troisième, selon ce qui se passe dans l'épisode, ce qui pourrait être... Enfin, si c'est intéressant de voir ce qui se passe dans l'épisode final, et si ça vous intéresse toujours aussi. Mais en attendant, aujourd'hui on est reparti, voilà, pour voir. Et puis voilà, on va enfin pouvoir voir ce genre de passage aussi qu'on pouvait pas voir jusqu'à présent grâce à ces persos. Donc les niveaux ont quand même pas mal de chemins alternatifs, hein. Ça c'est particulièrement sympa. Je me souviens plus des magies du vieux en fait. Ah oui, celle-ci il me semble que c'est duplication. Donc c'est ça qui est sympa aussi, hein. C'est vraiment que voilà, il y a des les niveaux sont bien différents. Enfin disons que les niveaux sont les mêmes, mais on a... Oula, j'ai eu beaucoup de bol là. Sauf que les niveaux sont les mêmes, mais il y a plein de chemins alternatifs. Et du coup, bah, selon les persos que vous avez, bah, ça reste, voilà, comme j'ai déjà pu vous le dire, hein, du coup, ça reste plus varié que si on devait juste simplement refaire le jeu 60 fois de la même manière. Attendez, l'arc c'est quoi? Ah non, c'est pas un arc, c'est des... C'est... Mais bordel, mais vas-y, mais balance-moi encore plus de haches là. Je vais crever. C'est quoi ces monstres de fou là qui nous balancent 800 haches d'un coup là? Oh, faut vous calmer les mecs. D'où est-ce que vous les sortez en plus vos haches? D'où est-ce qu'ils les sortent? Donc c'est particulièrement sympa, hein. Donc voilà, on se retrouve ici avec nos... Oula, avec les... Ah bah oui, c'est vrai qu'il a plus... Ah bah oui, c'est ça le problème de quand il a Zenmatu, c'est que... C'est que du coup il est naze, voilà. Il est complètement inutile sans son arme de base. L'épée sacrée de l'arnaque, hein, c'est vrai. C'est pas une épée sacrée, mais enfin voilà, c'est une épée qui est capable de vaincre les démons. Par contre, pour le reste, elle sert pas à grand chose. Hein. C'est quoi ça? Oui, c'est un gros pic de glace qui traverse tout l'écran, ok. Peut-être que je me réhabitue aussi à leur... Merde, bien joué. À leurs attaques spéciales aussi, bah oui. Faut que je réapprenne complètement à jouer avec ces persos. Ce qui est une bonne chose, hein, c'est sympa, c'est d'ailleurs très sympa de leur part aux développeurs d'avoir mis les persos du 1 dans le 2. Hein. Je dirais c'était pas obligé de faire ça. Mais après vous allez me dire que c'était aussi une méthode pour augmenter la durée de vie, c'est vrai. Mais on ne va pas les blâmer de vouloir augmenter la durée de vie de leur jeu. Hein. C'était ce que je pouvais reprocher le plus quand même au premier, hein. C'était qu'il était quand même vachement court. Donc c'est clairement pas maintenant que je vais commencer à me plaindre que qu'ils ont tenté d'augmenter la durée de vie du jeu. Je me demande vraiment ce que peut donner en tout cas le final episode, parce que si effectivement le final episode c'est... Ah oui, puis lui c'est vrai que lui il a pas d'autre pouvoir. Donc avec lui on devrait pouvoir comme ça... C'est comme avec le chien en fait, c'est-à-dire que si on brise les trucs violets on récupère... Ah, la vache. Il nous attaque maintenant le babouin là. On devrait pouvoir comme ça avoir des fioles de mana. Elle attaque quand même vachement loin elle avec son fouet, c'est une bonne chose aussi. Après il y a un truc que j'ai jamais fait et que peut-être que j'aurais dû le faire en fait. Je me suis rendu compte de ça parce que j'ai gagné un succès tout à l'heure là, en terminant le jeu pour en ayant la vraie fin. J'ai obtenu un succès qui nous permettait en fait que... En fait si vous terminez l'épisode 2 sans utiliser le stage select, bah, vous recevez ce succès en fait. Et effectivement je n'ai jamais utilisé le stage select. C'est un truc que je n'ai absolument jamais utilisé et que je devrais peut-être. Parce que du coup ça nous permet vraiment de revenir dans les niveaux. Et bah, par exemple ça vous permet de récupérer les upgrades quoi. Bien joué.
C'est la foire là, il y a des grenouilles partout. Je peux faire quelque chose avec le papy là. Que dalle, ouais, il sert absolument rien. Mais c'est pas grave. Ah, puis lui il avait plus de vie, mais c'est pour ça que j'avais switché sur lui. C'est que ça commence bien, donc tous mes persos sont morts là. C'est-à-dire que j'ai plus de vie. J'ai 60. Ah, mais attendez, mais j'ai les couteaux, je suis con. Et moi ça, je peux balancer des couteaux. Moi j'oublie de m'en servir. Enfin, si c'est pour m'en servir comme ça, évidemment. Bon, bah voilà. Bon. Bah, on va pouvoir utiliser directement la superbe option que j'ai trouvée la dernière fois, hein, l'option retry. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Bah oui, parce que quand vous êtes coincé juste avec un perso naze qui sert plus à rien. Eh bien, vous pouvez. J'ai eu peur qu'on avait recommencé le jeu depuis le début. Là, ça ressemblait beaucoup au début du premier niveau. Mais non, non, heureusement. Je sais pas si c'est un passage qu'on a déjà vu dans le. Qu'on avait déjà vu, ou si c'est un passage spécial, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus dur que les passages d'avant, non? Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir autant galéré sur le premier niveau. Non, je suis même sûr et certain qu'on n'avait pas autant galéré sur le premier niveau dans les premières runs. Enfin, même dans la deuxième que j'ai faite, hein. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai terminé quoi, en 1h30. Et au final, au tout, ça a pris 1h3 pour finir tout le jeu. Avec le vrai boss de fin et tout, donc. J'ai l'impression que c'est plus dur, voilà. Ou alors qu'une fois de plus, le syndrome vidéo fait que je joue de nouveau comme une grosse tanche. Mais j'ai quand même l'impression que, genre là, les mecs qui nous balançaient 8000 haches, là, ceux-là, on les avait jamais vus jusqu'à présent. J'ai quand même l'impression que c'est peut-être un peu plus dur. Ce qui n'est évidemment en aucun cas une mauvaise chose. Hein, ouais. Par contre, du coup, ça veut aussi dire que je vais potentiellement râler un peu. Mais bon. En même temps, si vous souhaitiez tous que je continue à jouer au jeu, c'est peut-être pour ça aussi, hein, c'est que vous estimiez que je n'avais pas assez râlé. Je n'étais pas assez pris le chou sur ce jeu, donc. Allez, voilà, on a réussi à revenir ici. Full vie avec tous les persos, ça fait plaisir. On va se concentrer un peu parce que ces grenouilles, elles sont pas. C'est pas si dur que ça de les vaincre quand même, hein. C'est juste que. Qu'il faut vraiment anticiper leurs mouvements. C'était pareil dans les Castlevania sur NES, hein. Il y avait, je vous l'ai dit, hein, les mêmes ennemis, c'était des espèces de petits nains bossus. C'était super chiant, et le problème c'est qu'une fois que. Tant que vous les gérez, ça va. Mais à partir du moment où ils commencent, voilà, à en avoir 800 à l'écran, bah c'est mort quoi, parce qu'ils sautent de partout. C'est infernal pour les esquiver quoi. Ah bah tiens, déjà une upgrade de mana. Voilà qui fait plaisir. La grande question par contre c'est, je pense qu'avec elle je peux y aller, hein. Oui c'est ça. J'ai eu peur qu'on puisse pas l'atteindre, mais si. Bon, upgrade de mana numéro 1. On va peut-être pas passer par là. C'est vrai que je pourrais aussi profiter de me servir de lui pour. Punaise le bol. Pour skipper les passages chiants. Ouais. C'est vrai qu'avec lui faut pas oublier, on peut voler. Ça utilise pas mal de mana, mais ça permet aussi d'esquiver des passages un peu relous. Ouais, il est pas aussi cheaté que le chien quand même. Ah mais ça. Ah non non si si, donc c'est bel et bien un autre passage. Parce que d'habitude on venait par la gauche. D'habitude on arrivait par le chemin de gauche. Par la porte là-bas à gauche. Et là on est arrivé par la droite. Donc, c'est bel et bien un autre passage qu'on a pris. Qui était apparemment bel et bien plus dur. Bah tant mieux. Et du coup je présume aussi que les boss qu'on va affronter, ce sera les boss. C'est quoi son pouvoir à lui là? Je suis pas sûr que ce soit très utile contre les boss. Contre le boss, ouais, se dupliquer non plus, mais bon, que voulez-vous. Je présume, hein, de toute façon, que les boss, ce sera le. Ils auront la puissance des boss de l'épisode 2. Hein. Je pense que les boss de l'épisode 1, qui étaient super simples, sont aujourd'hui plus qu'un lointain souvenir. Voilà, je pense que là, on va affronter le boss dans toute sa puissance. Bah, comme ça, je peux vous montrer. Enfin, j'espère qu'il soit encore plus puissant. Mais je présume que non, hein. Je pense que. On va affronter le même boss que dans l'épisode 2. Donc c'est pas le boss super simple de l'épisode 1. Enfin, super simple entre guillemets, mais ouais non si quand même, dans l'épisode 1 il était quand même vachement simple. Je veux le dire, l'épisode 1 c'est vraiment le. C'est vraiment là pour la découverte, hein. Il y a. Les boss, pas de difficulté. Hein. Voilà, ça a pas changé. Je me suis fait griller le cul comme une grosse endive, c'est pas grave.
Allez, descends. Ouais, bah, par contre, si je... À ce rythme-là, on n'est pas prêt de le battre, le boss. Je lui ai mis 3 coups, d'accord. Je lui ai enlevé un demi-pixel de vie. Ok, il faut trouver une autre méthode, parce que là, celle-là, elle va jamais marcher. C'est vrai. Non, ça va prendre 8 ans pour le tuer, sinon... Je pense que là, je peux l'attaquer brièvement. Ok, 4 coups, c'est trop... Oh punaise, il m'a enlevé les 3 quarts de ma vie, vous êtes sérieux? Je pense qu'on peut lui mettre 3 coups. Coriace le machin. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que mes persos sont bientôt tous morts. En tout cas, je peux pas l'attaquer quand il est en bas. Hein. On a pas le temps de s'échapper à son souffle. La grande question maintenant, c'est est-ce que. Je peux lui mettre 4 coups avec elle parce qu'elle attaque un peu plus vite. Je crois qu'elle inflige moins de dégâts aussi. Mais bon. Merde. Allez vite. Voilà, hop. Bon. J'ai enlevé la moitié de sa vie, ça devrait le faire, non? Je vais quand même pas reperdre contre lui encore. Merde. Ouais, non, il faut que je me contente de lui donner 3 coups, parce que sinon ça, je prends trop de risques. Ouais, on va y aller avec le vieux, là. C'est super efficace, putain, il a plus de vie. Mais je me suis baissé. Ah, mais en fait, je peux voler avec lui, je suis con. C'est encore plus simple. En fait, je pourrais l'attaquer et voler avec lui. Mais par contre, tous mes persos sont à un coup de mourir, donc on est un peu dans la merde, là. Le problème par contre, ouais, c'est que ouais, peut-être que lui peut encore se prendre un coup. Essayons. Je sais pas s'il inflige plus de dégâts avec cette épée. Hein. Franchement, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on s'est fait un peu carotte avec, avec cette épée ultime là. Peut-être je suis con parce que j'ai des armes secondaires aussi, faudrait peut-être que j'apprenne à m'en servir. Non merde, eh bah oui, quand on fait n'importe quoi, eh bah voilà ce qui. Voilà le résultat, on meurt comme un caca. Bien joué. Bon. Tu nous tires ta merde là, voilà, merci. Eh bah flûte. Moi, je pense qu'il va récupérer les 3/4 de sa vie, hein. J'ai quand même réussi à mourir sur ce truc, quoi. Je sens que le chien va me manquer. Hein. Clairement, le chien va me manquer. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que le jeu est censé normalement pouvoir se terminer avec un seul perso. Hein. Bah, vu que j'ai vu que c'était un mode qu'on pouvait débloquer, c'est peut-être le truc tout à la fin quand on choisit les épisodes, donc c'est que ça doit être possible. J'aimerais bien savoir par quelle magie vaudou. Ils estiment que ce soit possible de terminer. Genre, que avec le pape. Comment vous voulez, avec le mage? Comment vous voulez que je termine le jeu que avec ce mec? Il est complètement inutile, le machin. Comment vous voulez que je termine le jeu que avec le papy, là? Encore le mec avec son flingue, il peut attaquer un peu à distance, il y a moyen de faire quelque chose, mais avec lui, là. Il a récupéré les 3/4 de sa vie, hein. C'est formidable. C'est toujours sympa. Ah merde, puis c'est vrai qu'il y a. J'ai fait oublier ses éclairs. Et je me suis suicidé comme un. Je sais pas comme quoi, mais comme quelque chose de très débile. Mais c'est vrai que je peux l'attaquer en l'air avec lui aussi maintenant. Faut vraiment que je me réhabitue au gameplay de ces persos. Hein. Ah oui, parce que effectivement j'ai plus le chien comme ça, mais il faut peut-être que je trouve d'autres stratégies pour les attaquer. Ah,
Ah, c'est quand même bien foutu, hein, parce que... Je veux dire, je le connais, ce boss, hein. Et pourtant, je me fais massacrer. Et parce que, tout simplement, parce que j'ai pas l'habitude du gameplay des nouveaux persos, il faut que je les réapprenne. C'est... Histoire de trouver d'autres techniques pour battre les boss, hein, ouais. Il est quand même bien foutu ce jeu, hein. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est quand même bien pensé. Après, j'ai toujours aucune idée de comment finir le boss avec le vieux, hein, par exemple. Juste avec le mage, aucune idée. Moi, c'est totalement infaisable. Hein, ouais. Probablement pas, vu que l'option elle est là, mais. Allez, c'est bon, on va le faire. Ça va le faire. Allez, le petit alien là, voilà. Bien joué. Bon, je me suis pris un éclair quand même, mais bon, c'est pas grave, voilà, il a refait son finish. On a tué ce machin pour la quatrième fois. Allez. Bon, j'aurais mis le temps pour le battre quand même, hein. Je vois qu'on est bien à 20 minutes bientôt. Mine de rien, ça change quand même, hein, d'avoir d'autres persos. Le petit chien va me manquer, et surtout le papy va me manquer aussi, parce que pour attaquer à distance, mine de rien, ça pouvait être utile, hein, alors que le papy du premier, bah, il peut attaquer à distance aussi, mais... Pas sûr que... ouais. C'est pas le même genre d'attaque à distance, hein. Allez hop. Surtout utiliser Myriam, parce qu'elle est vachement pratique quand même. Pas attaquer en l'air par contre, elle peut pas attaquer en bas non plus, c'est pas comme Dominique, mais elle a des gros sauts. Voilà, là à gauche, c'était là qu'on pouvait trouver un fragment d'épée aussi. Malheureusement, évidemment, bah là, je peux pas y aller vu que j'ai pas le chien, il faut le chien pour détruire ces trucs là. Donc on va prendre le chemin de droite, qui était le chemin qu'on avait parcouru lors de notre première run. Je présume qu'il y aura d'autres chemins qui vont s'ouvrir à nous. Sérieux, je peux pas sauter là assez haut pour attaquer, voilà, comme ça. C'était quoi le boss? C'était... Ah oui, c'était l'espèce de femme chat là. Ouais, vous voyez, maintenant on va pouvoir aller à gauche là. Non, pas à gauche, non, à droite. À droite, je sais toujours pas la différence entre ma gauche et ma droite, c'est de mieux en mieux. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois un passage qu'on a jamais vu. Donc ça, c'est sympa. Ah, ça pourrait l'être davantage s'ils nous avaient pas mis un passage de plateforme au-dessus de l'eau quand même. C'était pas obligé les mecs, hein. ça me manquait pas de Castlevania. Voilà. Eh merde, ah punaise, j'ai eu du bol d'être repoussé dans le bon sens. Tiens, les couteaux, ça va être bien pratique, voilà. Tiens, bah là encore une fois à droite, hein, vous voyez, on pourrait y aller avec le si j'avais le chien. Puis un machin, je sais pas ce que c'est que c'est, la bougie verte. Je pense que ça doit dépendre aussi des mélanges de persos. Parce que si dans l'épisode final on peut avoir tous les persos, vous voyez en haut on a la place, on pourrait avoir 4 icônes de plus. Donc si on peut avoir tous les persos, je pense qu'on peut faire des combos de fou une fois qu'on a tous les persos. Et j'imagine qu'il y a encore d'autres chemins qu'on peut prendre une fois qu'on a la totalité des persos, quoi. Crache-moi ta merde. Ah, je l'ai attaqué pourtant. Ah, mais on peut sauter sur ce truc bleu. Je pensais que c'était de l'eau et qu'on se noyait. Et si j'avais su, je me serais pas emmerdé avec les plateformes. Par contre, Myriam, elle est bientôt morte. On va peut-être devoir passer à un autre perso. Ah non, par contre, ça nous blesse. D'accord, ok. C'est pas mal ce truc pour le feu, de ce truc de feu là. De les niveaux, c'est vraiment invincibilité quoi. Ça c'est vrai que ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Et contrairement aux chiens, ce sort là, il l'utilise pas. Merde, pourquoi j'ai gaspillé le cœur? Ah, puis on peut le passer au perso suivant. Ça je me souviens plus non plus. C'était déjà le cas dans le premier, je sais pas. Ça va être bien utile.
Par contre, comment je vais tuer le mec à droite là? Bah comme ça, hein. Ah non! D'accord, donc on se fait choper quand même. Merde. Ah bah oui, évidemment. Hein. Mais vas-y. Oh, mais comment je fais là? On va y aller comme ça. Ouais, je crois que ce bouclier de feu... Je crois que c'est comme ça qu'on fait le jeu avec le papy, avec le bouclier de feu. Bon, quoi que les boss, j'ai aucune idée de comment ça peut nous aider, mais... Je pense que je me demande vraiment ce qu'ils vont faire pour l'épisode final, parce que franchement, avec les 8 persos, vous êtes complètement cheatés, quoi. Vous avez tous les persos à votre disposition, c'est obligé qu'ils nous ont mis une difficulté supérieure dans l'épisode final. Ou des... Je sais pas. Je m'attends quand même à avoir en tout cas un niveau supplémentaire. De l'épisode final, bah rien que là pour l'histoire d'aller sur la lune, je m'attends quand même que ça trigger un niveau supplémentaire. Et surtout, je m'attends aussi à de la difficulté supplémentaire, parce que c'est pas possible qu'ils nous fassent exactement la même difficulté. Le joueur peut avoir 8 persos, quoi. Quand le joueur peut utiliser tout ce qui est puissant dans tous les persos de deux jeux, il faut quand même que derrière les niveaux ils aient un peu de résistance, parce que sinon on va rouler dessus mais sans aucun problème. Ouais, ok, genre lui d'où il m'a eu là. C'est pas trop, c'est pas grave. Je suis bientôt complètement mort, hein, mais c'est pas grave. Allez, allez, bah. Mais comment il me touche? Ils sont très chiantes là, ces fées qui traversent l'écran. Checkpoint là, ça ferait plaisir, je suis en sang, pitié. Non, pas ces trucs. Ah, j'avais oublié ces machins. Surtout que là, bon dieu, mais comment voulez-vous que je fasse? Bah, comme ça, ok. Ouais, d'accord, donc le bouclier de feu. Je crois qu'on va le garder. Il faut absolument pas que je change de magie parce que le bouclier de feu. Surtout quand vous avez plus de tous vos persos qui n'ont plus qu'un seul point de vie. Ça aide quand même. Par contre, un checkpoint c'est quand vous voulez. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai lancé là le bouclier, il sert à rien, mais bon. Merde, mais je pensais que je l'avais tué. J'ai du bol là. Ah bah un peu de vie tiens. Ah ouais, le problème c'est qu'il y a le boss là. Attendez, c'est bon ou on a pas eu de checkpoint en plus? Qu'est-ce que je branle? C'est n'importe quoi quoi. Attendez, on a pas eu de checkpoint là, je suis pas fou. On va attendre la femme chat là en plus. Qui est pas spécialement dur à battre hein, mais un peu chiante quand même. Bon bah allons-y, même si j'y crois moyen, mais bon. Vite. Oui. Qu'est-ce que je fais? Mais n'importe quoi, quoi. Pourtant c'est pas dur, hein. Regardez-moi ça, je me fais toucher, mais comme une grosse endive, une fois de plus, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est n'importe quoi, quoi. J'ai bientôt plus de vie. Je n'ai plus de vie, d'ailleurs. Alors qu'il n'y a rien de dur. Mais rien. En plus, avec le... Je vais me suicider, là. En plus, avec le bouclier de feu, quoi, c'est complètement ultime, ce machin. Mais... Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, ok, ouais, voilà. Et, du coup, maintenant, il me reste Zangetsu et le papy. Un duo de choc là. Là on va avoir un duo de choc. En
contre lui avec ses attaques moisies. Bon, enfin, le papy, il est bien pour balancer le bouclier de feu, quoi. Mais après, par contre, là, contrairement à Myriam, je peux pas attaquer le mec, je peux pas attaquer le boss avec, avec son attaque, là. Il a pas assez d'allonge, hein. Il a plus sa grosse hitbox grâce à son arme cheatée, donc... Vu que le boss va récupérer les trois quarts de sa vie... Surtout que j'hallucine parce que le bouclier de feu, en fait, il rend le truc, le boss, encore plus facile, quoi. Ouais, bah voilà, mais je peux même pas l'attaquer, quoi. C'est comme ça, en fait. Et merde, et merde, et merde. Je peux l'attaquer comme ça. Punaise, et le bouclier qui disparaît pile au moment où il y a le truc qui me touche, je tombe dessus, quoi, évidemment. Ah, puis j'ai plus de mana. Et j'ai... Ouais, bah c'est foutu, quoi, j'ai plus de mana en plus. Donc j'ai plus de mana, il me reste un point de vie à mes deux persos. Et le boss est encore complètement en vie, donc voilà, laisse tomber. Hein. On essaye pour la gloire, mais... J'arrive même pas à la toucher. J'arrive même pas à la toucher. Elle est trop haute. Zangetsu, il est trop naze pour... Ouais, bah voilà, laisse tomber, quoi. Allez, bien tenté. Donc, punaise, cette option-là, elle va me sauver la vie. Hein. Ah oui, parce que plutôt que de perdre du temps à se suicider, ça sauve la vie, quand même, de pouvoir utiliser cette option. Hein. Bon. Si on pouvait éviter d'arriver en 100 au boss, déjà... Mais merde. Ça pourrait déjà être une bonne chose. Mais pourquoi est-ce que je l'ai pas eu là exactement? Incroyable ce truc. Saleté de grenouille là. J'ai eu beaucoup de bol hein, parce que mon attaque elle a traversé ce machin sans le toucher. De mieux en mieux. Faut prendre tout le mana possible. Surtout que j'ai déjà deux upgrades de mana, c'est pas mal là. À ce niveau-là, je suis pas mal. Espèce de fée, là. Je crois que les fées, c'était censé être gentil, mais pas dans ce jeu. Hein. Mais vas-y. Putain, mais il est complètement naze, ce perso. J'ai même pas réussi à tuer cette planche, je lui ai mis au moins 60 coups, quoi. C'est un truc de fou. En fait, ce bouclier, il est bien pour se protéger. Bah, c'est un bouclier, quoi, voilà. C'est-à-dire que, bah, voilà, ça vous protège, mais ça sert à rien d'autre, quoi. Ça inflige pas de dégâts. Enfin, si, ça en inflige, mais ça, enfin, ça fait semblant d'en infliger, quoi. Ça utilise 5 points de mana, quand même, ce truc. Hein. Mais si je pouvais arrêter d'être, voilà, bugué dans l'escalier, ça m'arrangerait beaucoup, aussi. Ça commence bien, hein. J'ai déjà plus de vie sur deux persos. Attendez, il y avait quoi, là? Ceci, là, il y avait ces espèces de cons, là, voilà. Sauf qu'il peut rien me faire, il peut rien me faire tant que j'ai le bouclier. Là, il y a de la vie. Ouais, enfin, un pixel de vie, mais bon, c'est mieux que rien, hein. Allez, vas-y, papy, on y croit, là, je crois que c'est bon, il n'y a plus rien. Hop. Eh hey, merde, j'ai fait du caca là, c'est pas grave. Enfin si, ça allait un peu parce que du coup j'aurai plus de vie quand je serai arrivé au boss, hein, mais c'est pas grave. Admettons. On est arrivé là, non? Voilà, on est arrivé. Et je suis à moitié mort. Mais c'est super. Il faut en tout cas absolument du mana, ça c'est évident. Clocker, c'est pour elle. Juste le papy qui a pas de vie, mais bon, lui on s'en fout, il est juste là pour balancer le sort et partir. On a le droit à 7 coups du bouclier. Normalement, c'est largement plus que ce qu'il faudrait pour réussir à arriver au bout de ce boss, surtout avec Myriam. Parce que Myriam, elle saute beaucoup plus haut. Donc elle est en mesure d'attaquer ce truc. En plus, je vois même pas pourquoi j'utilise le bouclier, parce que normalement, ces attaques, elles sont super simples à esquiver. Hein. Voilà, c'est ces espèces de pommes qui tombent là, vous avez juste à les attaquer et... Vous avez juste à les attaquer, ouais bah ouais, voilà, allez.
Voilà pourquoi j'utilise le bouclier, parce que je joue comme un... Bah, comme ce que vous voudrez, voilà, n'importe comment en tout cas, voilà, c'est... C'est formidable. Hein. Sérieusement, mais... on est quoi, là? Une demi-heure de vidéo, quand je jouais pour la hors vidéo, j'avais déjà ma deuxième run. J'avais déjà presque terminé le jeu à moitié, quoi. Là, on est coincé sur ce truc. Je vais changer un peu de perso, parce que j'ai besoin de Myriam en vie. Eh bah, évidemment. Mais heureusement que je l'ai fait, parce que, voilà. C'est incroyable, j'ai réussi à lui mettre un coup avec Zangetsu. C'est du progrès. Mais pourquoi je me fais toucher à chaque fois, là? N'importe quoi. Génial, voilà. Et allez, c'est la foire. Mais genre, si je peux l'attaquer une fois avec Zangetsu à chaque passage, on va pas y arriver. Hein. Eh merde, ah c'est... Ouf. Parce que je suis obligé de tuer ces machins là qui nous balancent du ciel. Ils sont d'un chiant ces trucs. Oh là là là, et j'ai plus de vie, vite. Est-ce que je peux l'avoir? Ouais, avec lui je peux aussi, mais... Mais vas-y, mais je peux pas tuer ces machins par contre, évidemment. Ce serait trop de bandits. Oh là là là, oh là là, oh là, c'est la panique, c'est la panique. Qu'est-ce que je branle? Vite. Oh, ça c'est bon par contre. Mais je fais n'importe quoi. Punaise, je l'ai pris en pleine tête. Serait-ce possible, par le plus grand des hasards, que ce gameplay ne soit pas du tout adapté à ce jeu? Je sais pas, hein, je m'interroge. Est-ce que ça serait pas peu hasard possible qu'en fait, les persos du 1, ils sont pas du tout adaptés au gameplay du 2? Enfin, les gameplays du perso des 1 soient pas... Enfin, vous avez compris, quoi. Sérieusement, même la première fois que j'ai fait le jeu, la première fois que j'ai découvert ce boss, j'ai pas autant galéré. Je le connais par cœur, en plus, ce boss. Je sais exactement comment esquiver ses attaques et je continue à mourir comme... Comme un vieux Shadok là. Allez, allez, vas-y, récupère surtout toute ta vie, hein, je te dirai rien. Ouais, bah vas-y, continue à faire le mongol aussi. Je m'amuse. Je m'améliore de. C'est de mieux en mieux quoi, c'est. Je sais pas pourquoi elle a pas attaqué à droite, hein, j'ai enfoncé le joystick à fond, mais bon. C'est un détail, et du coup je n'ai plus de vie, et je vais crever. Merci beaucoup! Mais bordel de dieu, mais comment tu veux que j'esquive ça? J'étais coincé dans le mur. Je sais pas pourquoi j'essaye de... Je réessaye là, je ferais mieux de retry direct, hein, parce que... Parce que du coup là je lui ai carrément pas infligé de vie, donc du coup elle va récupérer toute sa vie, et puis je suis avec toutes les... et puis je suis au même stade qu'avant, quoi. C'est-à-dire que non seulement elle a toute sa vie, puis moi j'ai plus de perso, donc... Et vu qu'en plus, lui, il a son arme pourrie, là, il peut même pas attaquer en l'air proprement. C'est peut-être pour ça que c'était plus simple dans l'épisode 2 aussi, c'est que lui, il avait une arme convenable, quoi, pas cette espèce d'arme moisie qui sert à rien, là. Puis j'avais le chien aussi. Bon, d'accord, le chien, il est un peu abusé. Hein. Regardez-moi ça, je peux même pas l'attaquer. J'ai même pas assez d'allonge pour l'attaquer, donc. Non mais c'est foutu quoi. Je sens que ça va être la catastrophe. Je peux même pas l'attaquer. Je peux l'attaquer en me jetant dessus quoi, et en prenant des dégâts donc. Regarde-moi ça, c'est pas possible. C'est pas possible, allez laisse tomber, ça sert à rien. Je vais m'énerver pour rien, on recommence. Yes, super. Pff, faut tout surfaire. Bon, normalement, je devrais réussir à passer ce passage sans me faire toucher 60 fois par ces conneries de crapaud, là. Voilà, c'est déjà mieux. Je sais pas comment on va faire pour ce boss. Hein.
Avec, en fait, le problème, c'est que Zangetsu ne sert à rien, parce que son arme, avec son arme, c'est impossible de la toucher. Le vampire... ouais, je vais peut-être prendre ça. Ah oui, c'est peut-être pas si mal, ça, comme arme secondaire pour... Ouais, mais j'ai pas envie d'utiliser mon arme secondaire, justement. Il faut que j'utilise la magie, quoi. Parce que le vampire... Il a que dalle en vie, donc ça sert pas à grand chose, hein. Il se fait toucher une fois puis il meurt, donc laissez tomber. Le papy, il sert encore plus à rien, parce que lui c'est même pas il se fait toucher une fois, c'est lui, on lui souffle dessus et puis il meurt. Du coup, je dois avouer que je suis un peu perplexe. Y'a pas de perso avec de la vie en fait, c'est dans ce... avec ses... Le seul perso avec de la vie c'est le chien. Et lui en plus il peut se rendre invincible donc et il a des attaques de ouf et une portée énorme. Enfin bref, il a que des avantages quoi. Alors, ah mais en fait, je ne me suis carrément pas fait toucher du tout. Mais c'est qu'il y a du progrès. En fait, je sais pas si c'est parce que les persos sont pas adaptés au jeu, ou si c'est vraiment moi qui sais plus du tout jouer les persos et qui bah voilà et qui du coup joue comme une grosse brêle. C'est possible aussi, hein. Tout vous me connaissez, hein, c'est... En général, le problème se situe surtout du côté de celui qui tient la manette. Enfin, quand même, quoi. J'avais bon espoir, enfin j'ai réussi. J'ai fini l'épisode 2 en moins de 2 heures. Ça veut dire, il y a peut-être pas de quoi être fier, hein. Les speedrunners vous le font certainement en 3 fois moins de temps. Mais voilà, moi je suis pas speedrunner, donc j'ai réussi à finir ce bon dieu d'épisode 2 en moins de 2 heures. Même largement moins que 2 heures, en 1h45 pour tout retourner. En prenant en plus le temps d'aller chercher les armes secondaires, hein. Donc j'ai envie de dire, enfin les armes secondaires, non je veux dire, enfin les morceaux là de l'épée ultime et de faire des allers-retours. Donc vous allez pas me dire que... Après avoir fait ça, je suis pas capable de battre ce boss moisi quand même. C'est vrai que lui ça peut être pratique parce qu'il attaque en l'air, mais le problème c'est que c'est machin. Mais qu'est-ce qu'il m'a eu là? Comment je me suis fait toucher? Mais quoi? Et puis je suis mort, évidemment. J'avais oublié qu'il... ouais, bon, bah d'accord. J'avais oublié que ce perso a l'équivalent de... Je sais pas, de 2 points de vie. Et demi, peut-être, avec un peu de bol. C'est le vieux qui a 2 points de vie. Lui, il en a 2 points de vie et demi. Bon. Il peut éventuellement se souffler faire souffler dessus un peu plus fort avant de mourir. Bon. Donc le boss est de nouveau full vie. Moi j'ai perdu le seul perso qui me permettait de l'attaquer. C'est génial, hein. Non mais sérieux quoi. C'est, franchement, comment est-ce qu'on peut galérer autant sur ce boss? Il est tout pourri en plus, hein. Y'a rien de dur sur ce boss. Mais avec le problème c'est qu'avec le chien c'était tellement simple. Parce qu'avec le chien, et ça, vu que ses attaques elles duraient 3 plombs, mais vas-y. Vu que les attaques du chien, elles étaient super larges et tout. Mais vas-y, c'est pas possible. Hein. Je me fais quand même toucher comme une andouille. Il y a une espèce de demi-lag, là. Le jeu va pas se mettre à laguer, en plus, hein, parce que... Alors merci, hein. Je galère déjà assez comme ça, sans que... Oh, mais vas-y. De me taire un peu et d'essayer à peu près de me concentrer. Oh. Mais saute sur cette putain de plateforme, merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là, les pop-up windows qui en plus ferment le jeu, alors ça c'est de mieux en mieux quoi. Je sais pas si... Alors je pense que vous aurez eu un écran noir ou une ellipse ou je sais pas quoi. J'ai eu le droit à une saloperie de pop-up windows. Il y
Il y a une application à la con, je sais même pas laquelle, qui voulait absolument obtenir les droits d'administration pour faire je sais pas quoi pendant que je suis en train de jouer. Résultat, eh ben je me suis cassé la gueule et j'ai perdu des points de vie. Merci beaucoup. En fait, Windows, c'est le boss de fin de de tous les jeux vidéo, quoi. Et le pire, c'est que c'est censé être la plateforme sur laquelle vous pouvez faire de jouer, quoi. C'est sérieusement, quoi. Eh, vas-y. Mais et moi, je saute dessus, quoi. Comme une endive, une fois de plus. Non, mais qu'est-ce que je branle? Bah, voilà, évidemment, je fais n'importe quoi. Mais merde! Y'a pas un seul perso pour en rattraper l'autre, quoi. C'est, il avait plus de vie, le machin. Et c'est juste que si j'avais un seul perso qui était capable de tuer ces machins là qui nous tombent du ciel en un coup, comme le chien, ou Zangetsu quand il a pas une épée moisie, bah du coup, on l'aurait eu là. En fait, cet épisode là, c'est l'épisode où vous êtes en sang, quoi. Parce qu'il y a pas un seul perso qui est capable de rattraper l'autre, quoi. Y'en a pas un qui sert à quelque chose. C'est incroyable. C'est un truc de fou quand même. Là pourquoi j'essaye, je retry pas, c'est juste parce que j'ai l'espoir qu'il a pas trop regagné de vie. Avec 18 points de mana, je vais pas aller loin de toute façon. Hein. Surtout que Myriam peut pas tuer ses trucs en un seul coup, quoi. Pourquoi? Les machins qui tombent du ciel, Zangetsu, même Zangetsu avec son épée moisie peut les tuer en un coup, quoi. Voilà ces machins là. Oh, puis vas-y, qu'elle nous tombe dessus. C'est la fois, vas-y, qu'on se fait toucher quand même, voilà. Ça fait 8 fois que j'appuie sur la gâchette pour changer de perso, mais évidemment, cela ne marche pas. C'est la fête, là, c'est la... Y'a rien qui marche, là, c'est... C'est la fête, là. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à rater la plateforme, je vais me faire crever. Non, merde. Et je l'ai eu ou non, je crois qu'elle a encore une forme, non? Ou elle a un finish ou un truc. Si c'est un finish, je m'en... pour être tout à fait poli, je m'en contrebranle. Mais mais par contre, si c'est... Ah ouais, non, si c'était le finish. Brrr. Bon. Alors, je sais pas moi. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai joué, mais n'importe comment. Mais genre, vraiment, à un degré de... C'est quoi ces trucs, là? Je sais pas si c'est moi qui ai joué, qui a atteint le dernier niveau de l'incompétence, ou alors si c'est vraiment le jeu qui est plus dur avec ses persos, je sais pas. En tout cas, bah les amis, bah j'espère que malgré tout cet épisode vous aura plu, on va s'arrêter là, c'est la catastrophe, on aura fait que 2 niveaux en une seule vidéo. Ça sent pas bon, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'espère que tout ça là vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et comme d'hab, d'ici la prochaine, surtout, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous!